Hello there, my name is Andrew Furchland. I play the Anointed One on Buffy the Vampire Slayer. Hi, this is Fina Oruche. Hi, I'm Amber Benson from Buffy the Vampire Slayer. And you are watching Big M's Channel. Big M's Channel. Big M's Channel. Franchement, vous attendiez une autre intro? Eh bien bonjour, c'est Big M! Et oui, après deux éditions très réussies, CloudScone a organisé une nouvelle convention Buffy appelée Buffy 3 Once More with Feeling. Et je dois dire, c'était ma meilleure convention Buffy à ce jour. Une convention très complète et avec une équipe au top. Une équipe que je tiens à remercier. Une équipe très avenante et ça fait toujours hyper plaisir. Une équipe qui nous a donné l'opportunité de faire une photo de groupe incroyable. Un grand merci. Car oui, présent officiellement pour Pourquoi Buffy c'est génial, doté d'un passe-presse, j'ai vécu la convention sous un autre angle. C'était une superbe expérience. Et dans ce contexte, on a eu la chance de faire des interviews avec quelques acteurs présents. En parlant des acteurs, passons en revue cette énorme guest list. Il y avait pour la seconde fois Amber Benson qui interprétait Tara, Andrew Furchland qui interprétait le Juste des Justes. Andrew est probablement mon coup de cœur sur cette convention. Une surprise très agréable, un type super chaleureux et sympa, c'était vraiment super d'échanger avec lui. Dagny Kerr, qui interprétait la colocataire de Buffy dans la saison 4, et qui était la première actrice annoncée pour cette convention. Emma Caulfield, que l'on connaît sous les traits de Anya Jenkins. Iyari Limon, présente pour la deuxième fois et qui avait interprété Kennedy. Toujours un bonheur de voir cette femme, elle est tellement charmante. Le grand James Masters, alias Spike. La superbe Christine Sutherland, alias Joyce Summers, la maman de Buffy. C'est également toujours juste du bonheur de la voir. Nicholas Brendon, alias Xander Harris. Fina Oruche, alias Olivia Williams, dans la saison 4. La belle Robia Scott, qui était Jenny Calendar. Et pour mon grand bonheur, l'acteur d'origine allemande, Rudolf Martin, qui n'était nul autre que Dracula lui-même. C'est l'acteur que j'avais le plus envie de voir sur cette édition, et je n'étais pas déçu. Mais je reviendrai plus en détail là-dessus un peu plus tard. Il a également su marquer par son rôle non négligeable de Harry dans les premières saisons de NCIS. Cette guest list comptait donc en tout 11 invités. Et oui, 11 et pas 12 comme initialement prévu, puisque le comédien James Leary a dû annuler à la toute dernière minute. Je vais commencer aujourd'hui avec une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, James ne vient pas. Non. Leary. Avec une liste d'invités pareils, ce sont évidemment des choses qui arrivent. Ça restait néanmoins très cool. Je voudrais revenir sur quelques moments forts, notamment lors des dédicaces. Il y avait ce moment assez exceptionnel avec Amber Benson, qui, lorsque je suis arrivé vers elle, m'a reconnu suite à l'interview du jour, et ne m'a donc bien sûr pas reconnu en tant que Patrice, mais bien en tant que Big M. « Hey, it's the Big M !» qu'elle me dit. C'était cool. Du coup, pour la petite anecdote, elle m'a même fait la dédicace au nom de Big M. Bien sûr, la dédicace avec Rudolf Martin était vraiment géniale, parce que au-delà d'échanger avec lui sur son rôle de Dracula dans le film Dark Prince, The True Story of Dracula, où il a également interprété le personnage, la même année d'ailleurs que celle où il a joué Dracula dans Buffy, je me suis aussi fait un plaisir de communiquer avec lui en allemand. Rudolf, hallo mein Freund, falls du dir dieses Video anschaust, es war mir eine große Ehre dich zu treffen. Vielen Dank für alles. Ah, c'était vraiment trop cool. Contrairement à l'anglais, en allemand, le tutoiement et le vouvoiement existent. Et donc tout naturellement et par respect, je le vouvoyais. Et là, je me souviens de ce moment où il me regarde et il me dit de sa voix draculesque. Du kannst ruhig du zu mir sagen, auf Deutsch.
Voilà, l'imitation était probablement très mauvaise, mais on saisit l'idée. Et j'en ai aussi profité pour parler avec lui de ce film que j'aime tellement, lors du meeting qui m'a généreusement été offert par mon ami Sam. Un moment qui m'a beaucoup beaucoup plu. James Marsters est quelqu'un qui aime bien filmer les fans plus ou moins cosplayés pour sa page Facebook. Cette année, pour le coup, j'y ai eu droit. Hi, my name is Patrice, also known as the Big M, and I'm RJ, sort of. Et il m'a aussi dit de ce qu'il avait filmé de moi dans la matinée, c'était vraiment trop bien. D'ailleurs, je sais pas du tout pourquoi il a dit ça, parce que je manquais carrément d'enthousiasme. Ouais, ou pas. Outre ces deux autographes sur DVD, j'ai récupéré tellement de dédicaces que je vais simplement les montrer sous forme de petits diaporamas, maintenant. Et bien sûr, j'ai fait des photos avec tous les guests présents. Le duo James Nick était assez drôle. Portant ma mythique veste, je me suis dit que la pose était toute trouvée, et je voulais donc faire référence au fameux épisode Him, et plus particulièrement à la scène de fin dans laquelle Xander et Spike vont récupérer la veste en l'arrachant de force à RJ. Ils ne se remémoraient pas trop la scène, alors je leur ai dit de simplement faire semblant de m'arracher la veste. Je crois qu'ils avaient pas trop compris qu'il fallait faire semblant. Mais du coup, la photo fait un peu plus réaliste. Je pense que Nick Brandon s'est rendu compte qu'il avait tiré un petit peu trop fort dessus. Du coup, en me lâchant, il la caresse et puis il dit « Good quality ». Et ce qui vaut pour les dédicaces vaut bien évidemment aussi pour les photos. Il y en a plein. En voici donc un diaporama. J'ai également eu la chance de m'entretenir avec Anthony, alias Xander 3, et en apprendre un peu plus sur sa passion qui est de créer des figurines pop custom, en l'occurrence des pop Buffy, qu'il vendait lors de cette convention sur son stand dédié. Je lui en avais commandé une évidemment, et pas n'importe laquelle. Il s'agit de Dracula, un personnage que je kiffe beaucoup, vous l'aurez compris. Du coup, au-delà d'avoir une fantastique pop, c'était aussi une magnifique occasion de la faire dédicacer par Rudolph. Vraiment une très belle pop. Anthony m'a aussi généreusement remis cette tablette de chocolat, qui est en fait une reproduction du chocolat que l'on voit dans l'épisode Band Candy, et qui fait retomber tous les adultes qui en mangent en adolescence. Alors c'est du vrai chocolat, hein. Du coup, je sais pas trop quoi en faire encore. D'un côté, c'est un trop bel objet de collection pour l'ouvrir et le déguster. D'un autre côté, je suis gourmand. Mais d'un autre côté, en revanche, j'ai un peu peur de l'effet chocolat. Peut-être que je vais soigneusement déballer le chocolat, le manger, et puis remplacer le contenu par une petite forme en carton ou autre. En tout cas, merci Anthony. Ce que je ne savais pas encore à ce moment-là, c'est qu'avec son aide, Makio m'avait préparé le cadeau le plus incroyable et le plus génial qui soit. Il y a 5 minutes. Ouais, ferme tes yeux. Oula. Ah, tu filmes, toi. Ferme tes yeux. Ah, là, j'ai chier. Tends les mains. Tends les mains. Tu ouvres les yeux. Est-ce que je dois oser? Vas-y, vas-y. Oh merde. Oh putain, c'est pas possible. Oh merde, c'est génial. Je t'avais dit, hein. Oh, je m'attendais pas à ça. Je te l'avais dit. Waouh.
Moi, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, je mérite pas ça. Numéro 1, YouTube. Pas, hein. Ah, merci. Est-ce qu'on va aller là-dedans? Ah, non, mais là, clairement, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Et toi, tu savais, il parlait de. Parce que j'imagine que c'est toi qui as fait ça. Mais le pire, c'est ce matin, quand tu mettais en boucle quand tu sortais les potes, tu fais. Non, c'est là qu'il faut pas sortir. C'est là qu'il faut les rassurer. Bah, ouais, pour... c'est incroyable. Bah, merci à toi aussi. Hein. J'ai la chance de plus te l'offrir devant moi, tu vois. C'est clairement moi. C'est Bibi. Ah oui, je sais bien, j'ai bien vu. C'est Bibi quoi. Je viens de ton stand, c'est incroyable. Merci, c'est gentil. Mais j'y crois pas. Donc voilà, ta première pop. Mais j'y crois pas. Mais c'est... Quand tu auras 10 000 followers, je t'en ferai une avec une couronne en or. Ah, j'en reviens pas quoi. Vas-y, montre-la, ouais. Une pop à mon effigie. Non mais sérieux, c'est énorme. Puis ces détails, je suis vraiment en admiration. Regardez, les cheveux, ce sont les miens, clairement ce sont les miens. La coupe derrière, devant, au-dessus. La petite veste Sunnydale qui va bien. Le t-shirt Big M. Mille merci à tous les deux, à Makio pour cette superbe idée et pour me l'avoir offert, et à Anthony pour l'avoir fabriqué. Clairement, je l'adore. Et la transition est toute trouvée, car comme toujours, une bonne convention ne serait pas pareille sans les copains, sans les rencontres, sans la bonne ambiance entre fans. Merci à vous tous. Un merci tout particulier à Aurélie qui a été officiellement ma photographe sur cette convention et qui a fait un excellent boulot. Oui, même largement au-dessus de mes attentes. Bravo Aurélie et encore merci beaucoup. Entre les deux jours, à savoir le samedi soir, il y a eu une petite soirée en deux parties. Une première qui consistait à prendre un apéro avec certains des acteurs. Et dans une seconde partie, Amy donnait un concert. Amy est entre-temps bien connue par les fans, elle a une voix incroyable et nous a totalement mis dans l'ambiance en réinterprétant des chansons de la série. Belle petite soirée qui m'a rendu quelque peu nostalgique,
mais aussi très heureux. Je tiens aussi à féliciter Zander Collection qui a fait un travail phénoménal sur la vidéo d'ouverture de la convention. Une vidéo qui véhiculait à peu près toutes les émotions possibles et vraiment très bien réalisée. Bravo et merci. Comme d'habitude, je propose de revenir sur ce week-end très intense sous forme de vlog. C'est parti! Voilà, l'aventure peut tout doucement commencer. Je sors de l'aéroport Charles de Gaulle et je me dirige vers cet hôtel qui va être, j'en suis sûr, incroyable, le Pullman. Effectivement, c'est un hôtel de luxe. Je vais être bien, je vais être bien. On entre dans la chambre. Alors, est-ce que Bibi va être bien ici? Est-ce qu'il va être bien? Oh, oui, il va être bien là. Mais il va être bien, Bibi. Ah ouais, ouais. Ah, donc là, il y a plein de monde à voir, plein de monde. Ils sont en train d'attendre pour un entretien d'embauche là. Oui. Et qui c'est qui a le petit badge presse? Pourquoi Buffy c'est génial? C'est Bibi! Bonjour, c'est par ici? C'est par là! Ah non, l'accès vous est interdit, monsieur! Ah, bah je me disais bien, je me disais bien! Pour d'amour pour les acteurs, il faut partir! Oui, mais j'ai un badge presse, moi! Ah, bah du coup, tu restes aussi, par contre! Ah! Merci quand même! Bonne journée! Bonne journée! Thank you.
très fort, comme je les aime, avec plein de gens qui me reconnaissent, donc ça fait super plaisir. Je suis en train de me faire observer par la dame qui s'occupe de la traduction en langue des signes. Je vais me mettre discrètement à côté d'elle, peut-être elle remarque pas. Si, elle me l'a vu. Salut. Bien, peut-être. Bonjour. Attends, salut mon petit Batou, comment ça va? Et évidemment, qui ne manque pas au rendez-vous? C'est l'ami moi. Jean-Marc. Bonjour tout le monde. Pour rappel, le doyen. Le doyen. Le doyen. Ça. Oh ouais, alors, content d'être là, évidemment. Ah oui, complètement. Ça va être une bonne convention? Ça va être une bonne convention avec plein d'invités et dommage pour ceux qui ne sont pas là. Mais en tout cas, on pense à vous. Oui. Et puis, je vous conseille de regarder la vidéo que fera notre ami Big Game. Parce que je pense qu'il aura beaucoup de choses intéressantes encore une fois à nous montrer et à vous montrer, à vous faire participer a posteriori. T'es sympa. Voilà. Merci. Bonjour Aurélie. Je m'appelle Aurélie et je vais être la photographe officielle de Patrice pour sa vie. Tout à fait. Tu me devances complètement. Pour le week-end. Moi j'allais dire voilà, t'es en mission spéciale et je suis tout. Je suis en mission spéciale et tout, j'ai pris mon appareil. Et merci beaucoup à toi de faire ça pour moi et puis avec plaisir. Très bonne convention. Merci, toi aussi. Et qui d'autre ne manque pas au rendez-vous? Salut Fabrice, tu vas bien? Nickel, super, programme, impeccable. Programme? Mais programme, je suis là sur les deux jours, donc on va s'éclater. On va s'éclater, évidemment. À fond. ClubsCon, c'est toujours bien. Déjà, moi j'ai rencontré Brandon dans le couloir, on s'est croisés. Voilà. Ouais, on l'a croisé aussi. Yes. Excellente convention, et puis on se voit tout le week-end, on fait la fête. Exactement, surtout ce soir, j'ai hâte. Et toujours dans la lignée des gens qui ne manquent pas au rendez-vous, bonjour Maquillo. Et ça ne s'arrête plus. Encore quelqu'un qui ne manque jamais un rendez-vous. Fan numéro 1. Fan numéro 1, 2. Bah de Big Game. Ah bah voilà, bah lui il a tout compris. Bah pour l'instant j'ai pris que samedi mais je vais voir. Bah si tu vas venir, tu vas être tellement bien que tu vas revenir. Tu verras. Toi t'es pas censé te cacher dans le fond des vidéos. Saved my life, and I think that at the end of the day, Buffy says, "Don't give up." I think that's the theme of the show. Life hurts sometimes, but keep going. Buffy was a really good show that was saying something that actually matters. Bonjour. It's my honor to be part of this cast and to have the opportunity to join all of you. Who truly, like we were part of a show all those many years ago, and it is not our show, it's your show. Right? You, as a community, as a fandom, you guys have made this your creation and your family, and we're just very fortunate to be part of it, and thank you for allowing us to spend some time with all of you. Je m'appelle Dagny. It's very nice to meet all of you. I'm very excited to be here in Paris. Excited to try to speak French with you. Anyway, really excited to be here. Hi, you guys. It's so good to be here. And I just love what you said, James, about this just becoming a big family. And we're just a part of it. You guys really did make it something really, really special. Hi there. It is so lovely to be back. I know we had a lovely time last year with all of you. I think this year is going to be even better. And I second what Christine said. This is an amazing convention, and all the people who work and volunteer are doing a great job. I'm just so happy to be here with everybody. Thank you, guys. Bonjour. I do want to thank you very much for having me. You know, I love Paris.
Paris very much, and the French fans are just incredibly fantastic. And they're very French, right? Very French. French. Bonjour. Comment ça va? I'm European, I know what to do. I love Paris, and I'm really happy to be here. I feel like I really shouldn't be here because I'm a little tiny, teeny Buffy character, so it's nice to be involved. I've done a few of these, and it's always an honor to see the huge love that this wonderful show has, and how devoted you all are to it. Devoted. Yeah, it's really great. Thank you, Hugo, and thank you, Jimmy, Paris, and everybody who's been involved for everything. It's really good. It's really nice for me to be here. Thank you, Hugo, and to everyone at CloudsCon. It's wonderful to be here. Buffy fans are the best fans. Of course. Really, truly, the best. So I can't believe all these years later, we're still here, getting to know one another. So it's incredible. I cannot wait to meet you all. I'm glad that Jenny is still alive. Yes! Jenny lives in this universe. So I will see you all there. Bonjour, mes amis. Quand même, les poissons. I'm saying words I know in French. Bonsoir, madame, monsieur. S'il vous plaît. Une paille. Voilà. Voilà. C'est ça. Douche vert. Non? Champagne. 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 Chocolat. Chocolat. Escargot. Je vais à la plage. C'est la plage. Chanel. I'm happy to be here, and I'm happy to. It's because this is about you, not about really us. No. So thank you very much for accepting me, and that's all I gotta say. Didn't know what a cult phenomenon that this series would have, and the fact that, you know, 21 years later I'd be here in another country. That's right. Having a conversation with you. With the best fans ever. Absolutely. Eh bien bonjour, c'est Big M et c'est le début de cette convention incroyable en ce samedi matin, la 3e édition de la CloudsCon, et qui dit convention incroyable dit bien sûr invité exceptionnel. Je suis donc ce matin avec Anthony. Anthony, bonjour à toi. Salut Big M, ça va parfaitement ce samedi matin, début de convention donc c'est super. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots et nous expliquer ce que tu fais ? Bah en fait je suis passionné de la série Buffy, bah, comme beaucoup ici je pense, ouais. Depuis longtemps. J'ai découvert les pop il y a 2-3 ans lors d'un séjour au Canada. Tout de suite je me suis mis à chercher s'il existait d'autres licences, j'ai découvert les pop Buffy et je me suis dit bah c'est bizarre, il n'y en a pas beaucoup, elles sont sympas mais... Du coup, j'ai commencé à en créer. Ouais. J'ai fait ma première pop Cordelia, fan de Charisma Carpenter. C'était il y a un an et demi à peu près. Et du coup, il y a eu pas mal de retours sur Internet et je me suis mis à en faire d'autres pour ma propre collection. Comme les retours étaient assez sympas, je me suis dit bah, pourquoi pas en faire d'autres pour les partager avec des fans. Et du coup, voilà.
Génial, excellente idée, nous on adore. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le processus de fabrication ou est-ce que c'est secret défense? Non, c'est pas secret défense, il y a beaucoup de personnes qui font des customs de pop, donc les tutos sont disponibles sur YouTube notamment. C'est du travail, c'est assez long, donc c'est surtout la conception d'un concept visuel d'abord pour savoir quel personnage on va pouvoir transformer à la base avec des pop existantes. C'est beaucoup de travail de recherche, d'illustration et après de création pure en faisant de la sculpture, de la retouche, de la peinture, donc pour arriver au résultat final qui, je l'espère, ressemble le maximum au personnage voulu. Nous, de ce qu'on a vu, on adore. Combien de temps ça te prend pour concevoir une figurine de A à Z? De A à Z, ça prend pas mal de temps, ça dépend du modèle. Quand tu as beaucoup de sculptures à faire, ça peut prendre plusieurs jours, le temps que ça sèche, de refaire les retouches, de repeindre par-dessus. Mais en général, en une journée, voire deux jours, j'arrive à faire une pop. Est-ce que tu as des petits coups de cœur, une pièce dont tu es particulièrement fier? Oui, la fameuse Buffy avec sa faux, voilà. Donc que j'ai refait en deux versions parce que la première me satisfaisait pas trop, donc là je l'ai réactualisé avec un nouveau concept. Je suis fan moi-même de mes two-pack, donc des packs de deux qui mettent en scène deux personnages de Buffy. Ça me passionne de faire ce genre de produit. Pour finir, est-ce que tu peux nous dire où on peut te trouver, les réseaux sociaux, etc.? Je suis assez actif sur Instagram, donc mon pseudo c'est X3 Custom Pop. Sur Facebook aussi, j'ai une page Facebook du même nom, donc n'hésitez pas. Et si vous achetez des petites pop, il y a un flash code en dessous pour aller sur mon site. Impeccable. Merci Anthony. Merci à toi Big Game. Bonne convention. Bonne convention à toi. Merci. Et voilà, il vient de se produire quelque chose d'absolument incroyable. Je ne l'ai pas encore dit. On m'a fait un cadeau. Il s'agit de moi, de Bibi, en Funko Pop. C'est l'adorable Makio qui m'a offert ça. Merci à toi. Merci, je suis touché, je suis ému, c'est... C'est incroyable. Et on dit merci évidemment aussi au créateur qui est juste là. Eh oui. Merci à toi Anthony. Je t'en prie, avec plaisir. C'est un cadeau absolument exceptionnel. Avec plaisir. Song ever! Play again and again. Thank you.
people. I am so happy to be here today. You guys don't seem like you went out and partied yesterday. You guys are ready. I went to bed, so I'm ready too. You know, on Buffy, vampires were just supposed to be metaphors for stuff you have to get overcome in life. And guys like me on the show, we were just supposed to be that. And that's why they made us ugly when we bit someone. Joss didn't want anyone to be beautiful, well, except for Dracula. He's the only one that got to be sexy when you bit anybody. Only one. We were just... They tried. Right? Really ugly. And I think that's probably why, it's one of the reasons that when I watch Buffy, it still gets to me, is because it's really, I think at the end of the day, it's about don't give up. Like kill the vampire, kill the demon. But I'm really, really happy to still be talking about this show that I think found a good metaphor to talk about how to overcome the problems and the troubles and the pain of life. Because life hurts, but I think it's worth it. So thanks a lot. Hello to everyone again. If you were here yesterday, and to those of you who were not, thank you, I love you. And I just said to James, it's not Carrot Alley to follow this guy. He's just so eloquent and says things that I'm like, yes, exactly, what he just said, 100%. And thank you all for coming. It's a pleasure to be part of the show and the history of the show and what you guys are here and continue to come and your generations on. Bonjour Paris. Good. I just want to say once again for everyone that I had the chance to meet yesterday, thank you very much. You were very warm and welcoming and presented a wonderful environment for us here. And God, love getting to meet all of you. For anyone that wasn't here yesterday and today's your first day, looking forward to meeting you today. And just thank you for continuing to be in that wonderful community that keeps bringing us here to be able to have a chance to meet all of you. And thank you so much for bringing this show into your hearts and making this, you know, something that's a big part of your lives and allowing us to be part of your lives as well. Bonjour, mes amis. Je sais pas ce que je dois dire, mais... Maintenant, je suis nerveuse pour toi. Donc, oui, je suis très contente de venir parler encore. Et je vais te dire quelque chose. Vous êtes les plus gentilles fans que j'ai connues. Si vous avez des questions, de demander quelque chose, je vais être ici en journée. There are a lot of us, I'm going to make it short. It was so much fun yesterday hanging out with you guys, and I'm looking forward to getting in. All right. Good morning. Woo! We're going to have a great day, and I just want to add that, you know, sometimes when you're there in the dark with a couple of lights on you, and you're enjoying the dialogue and the acting and the relationships and the family that you're part of, I certainly never ever imagined that you were all out there. And thank you so much. It's really, it's indescribable to the love and the joy that the show gave all of you. I had so much fun with you all yesterday, getting to know you during the autographs, signing your wonderful items that you brought, and again, I was on the show for such a short time, I had no idea I had an effect on anyone, so thank you! And I also really appreciate the French with their photo shoots, because you guys come really prepared with concepts. Yeah. At the time, like, people are like, this is what we would like. Like, literally on their phone, like, okay, so my favorite moment of yesterday was during the villain shoot, where the guy said, maybe you could choke me and bite my boyfriend, please? Just another Saturday? Yesterday was wonderful. I was really inspired by your creativity.
being able to be here. I can echo what everybody said about you guys being brilliant, and I had a tiny part in the show. I'm shocked that anyone even knows who I am, so I'm just humbled to be here. Okay, hi, Rudolph Martin. All right, Rudolph. Bonjour, Rudolph Martin. J'ai habité à Paris pendant quelques ans, il y a longtemps, et je suis très content d'être ici et d'avoir la possibilité de me rappeler en français. That's it for now. You nailed it. Okay, it's great to see you all. Some new people today. Who's new today? Woo-hoo! Can't wait to meet you. I did have some beautiful conversations with so many of you yesterday. And again, just to reiterate, it's just incredible to be a part of this show that has touched your life, that has brought joy, helped some of you get through tough times. The show's blessed you, the show's blessed us, so we are just so happy to be together again, all of us, and to be together with you, so I'm looking forward to today. Yesterday was great, I'm gonna keep it short, I can't wait for today, and I can't wait to meet you all today, and the new peoples, the old peoples, and everyone else, new team. He played this little small character called Spike. He's a great guy, really funny. You'll like him. He'll be able to pick up the slack. So I'm also working with the promoters to try to figure out a way to get you guys all an autographed picture. Hopefully we'll be able to make that happen. And again, I am so sorry that I can't make it. And I hope you guys have a wonderful weekend. They broke up because they didn't know each other. It was more. They broke up? No! It was mutual! It was mutual! They both agreed about that.
amazing time meeting all of you. So warm, so welcoming. Thank you for making all of our trips to this wonderful city. It's beautiful. I love being in your city with you. People are incredible, and the way you put everything together is beautiful. I think the only thing missing, perhaps for 2020, is Anthony. Oh, yeah! Woo-hoo! This was so close to perfect. I've seen many of you multiple times, and that's just such a joy to see you all again, and I just have to say that you make us all feel so loved. Magnifique! Pour ce week-end, on a passé de super moments. On espère que vous aussi vous êtes éclatés. C'est un plaisir de revoir des nouvelles têtes. On voit, c'est une grande famille de filles. Et de voir de nouvelles têtes, des têtes qu'on a déjà vues. Enfin, merci énormément. Et ouais, du fond du cœur, merci. On espère que vous avez aimé votre week-end autant que nous. Merci à tous d'être venus. Je vous connais à peu près tous. On va se revoir très vite. Je suis très fatigué, donc voilà. Merci à tous, merci le staff. J'aimerais aussi moi remercier vraiment tout le staff. Vous êtes super, vous avez fait un boulot de ouf pendant 2 jours. Merci énormément du fond du cœur. Voilà, merci encore pour tout et à bientôt j'espère. Une formidable convention. CloudsCon a vraiment fini en beauté. Oui, je dis fini, car il s'agissait de la dernière convention organisée par CloudsCon. Les nouvelles restent néanmoins bonnes, car comme l'a dit Hugo, Buffy reviendra. Je vous invite à découvrir prochainement les interviews complètes avec les acteurs Andrew Ferchland, Amber Benson et Fina Oruce. Cette vidéo, c'est déjà fini, donc bien évidemment, je dis ciao et business. Wizardon, j'écoute. Big M, on a encore besoin de toi. Besoin de moi? C'est-à-dire? Tes aventures à Paris ne sont pas encore terminées. Il faut que tu y retournes immédiatement. Bien compris. Transformation fanboy! Home sweet home. Bienvenue sur la chaîne de Big M. Faites comme moi, abonnez-vous et un petit pouce bleu. Abonnez-vous bien entendu à sa chaîne qui est très intéressante. J'y suis moi-même abonné depuis maintenant un an au moins. Je peux vous conseiller que ça, vous verrez, il y a plein de choses. D'événements passés et puis des événements comme aujourd'hui et des événements certainement encore à venir. Raph, il faut que tu s'abonnes à ta chaîne, elle est super, il y a toujours des tas de news, des tas d'infos sur les goodies, les acteurs, la série, les événements, donc abonnez-vous à sa chaîne, c'est obligatoire. Yeah. Merci Ludivine. Bisous. Abonnez-vous évidemment à la chaîne de Big M, c'est une évidence et c'est la base. Abonnez-vous à la chaîne de Big M, tout bordel. Et puis Biche Patmol, voilà. Abonnez-vous à la chaîne de Big M, c'est le boss. Un grand merci. What? Non, elle me lâche maintenant la LED là. C'est sérieux là? L'éclairage me lâche maintenant. Ça tient des mois et ça me lâche maintenant. J'ai oublié d'appuyer sur enregistrer, je recommence tout. Je te jure. Hein. Ah là là, le boulet. Qui était nul. Et toujours dans la lignée des lignes. Je recommence. I'm so excited. T'avais ta veste ou pas? Non. Si. Ah, ouais, je perds la mémoire, moi j'ai bu hier soir. Merci, alors bon, ça sera coupé au montage. Emma Caulfield que l'on connaît. Oh putain. Ça me rend fou ça.
Putain, ça me... Non, mais ça enregistre une vidéo. On fait une capture d'écran, ça fait le selfie. Allez, go. Maintenant j'ai envie de faire pipi, putain. And I'm the big M. I have no words. That was the best French I've ever spoken. I think Mark already said, or not Mark, I'm sorry, James. my new master. Eh bien bonjour, c'est Big M. Et Eh bien bonjour, c'est Big M. Et si on... I'm done. He's done. The Big M is done. C'est fini. Si t'es gentil, abonne-toi.